que j'ai apprécié le fait que les membres du Conseil présidentiel de transition aient pris position en faveur de Régine Abraham. Ils ont dit clairement que c'est une accusation gratuite et que Mme Régine n'a rien à voir dans cette question liée au contrat qu'elle a signé avec un tiers ou avec une autre entité. Cela me renvoie au dossier lié à trois conseillers, parce que jusqu'à présent, le conseil présidentiel n'a pas pris de position ouverte. C'est pour vous montrer qu'en fait, il y a des membres qui détiennent des informations concernant ce dossier et qu'en fait, le CPT, dans sa globalité, ne peut pas prendre position pour certains éléments qualifiés de corrompus. Il y a l'unanimité au niveau de Mme Régine Abraham, parce que les membres, ils sont au courant que c'est un dossier monté et que c'est faux, mais pour les trois autres, ils ne sauraient prendre une certaine position. Est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend automatiquement qu'il y a un guise sous roche ou malice dans les esseins, ou du moins, pour dire clairement que certains membres, certains conseillers croient que d'autres membres sont impliqués jusqu'au cou dans cette dynamique de corruption. C'est une première chose. La deuxième chose à dire ce matin, c'est que moi, j'ai une information que membres influents, que je ne nommerai pas ce matin, du Conseil présidentiel de transition, M. Correspondance, que l'écrit à membres CEPTO et que le Kembel, que m'a coupé. Donc, m'a pas ça que la donne, mais m'a dit plus ou moins, parce que faut me protéger sous main. C'est le dehors, dehors. Monsieur mandé trois monsieur, à savoir Vertilaire, Giralzil et Smith, pour faire un retrait momentané de CPTA. Pour être capable choisi membre qui va faire partie de la direction générale. Yo. Yo pas signé aucun document. Il a pris la caillou jusqu'à ce qu'on fasse la lumière sous question corruption avec Benzia. Scoop du CPTA. C'est you membre qui fait. Le mot ça. Et n'est que CPTO au courant. On ne va pas dire pas au courant. Mais bah, elle a bouilli dans CPTA. Maintenant, ça permet de faire qui ça? Ça permet de un et vincer trois nègres, pas oublier tous les trois. Une dynamique de présidence tournante. Ça permet monsieur lui-même, c'est lui qui vient tout de suite après garder. C'est la nuance politique. Et c'est monsieur qui va venir après Garty Leblanc. Maintenant, Negyo ouais en ça un coup d'État. Oui, qui est-ce? Toi, Negyo. Son coup d'État. Parce que c'est monsieur qui va faire office pour remplacer Garty. Scoop. En octobre. Mais est-ce que nous avons parti de quatre mondes qui étaient là dans le cadre présidentiel? Donc, Simdjouli, Ntoudjou, qui est-ce? Non, c'est pas possible. Oui. OK. Kounia, nego estime que situation ça excessivement grave. Et c'est ça que fait Darius. Il ne négocie pas avec là. Dans l'événement. Événement vous dire. Vous le dire. Monsieur Paret, pour le montrer que l'existait parce qu'il y a un désaccord. Yeah. Okay. OK. Ça fait deux. Troisième bail qui vient. Capable d'un gros problème. Parce que grand partie de la communauté internationale qui t'a ramené que Gardi était. Okay.
Mais pour faire, il n'y a pas de référence juridique. Il y a, par exemple, il y a utilisé des outils politiques pour faire. Et dans ce sens-là, on parle de plus en plus de sanctions. Et il se pourrait même que y aurait les négos, dit négos, font camper parce que nous ne sommes pas là. Parce qu'on imaginait, monsieur, m'espérer que les négos comprennent que ce n'est pas un problème personnel que, résoudre, que nous avons résolu avec. Ou n'est-ce qu'il y a épée d'amocles sous tête ou pas qu'on y a vu jouer le rôle du président. C'est difficile. Il faut au moins qu'on décision prenne. Une décision prend pour dire oui, non, on va la donner ou bien où la donne. Mais si des suspicions, comment on peut le voyager? Comment on peut parler avec nous? Bon, moi, je vais qui pirate. On nous dit, mandat Gadi le Blanc, t'as fini avant Nations Unies. Comme il y a les Nations Unies du 20 au 30 septembre. 30 septembre. Mm-hmm. Et que c'est 1er septembre pour Gadi d'aller. Comme si une certaine n'a pas invité une annexe pour aller parler dans les Nations Unies. Et heureusement, nous voilà. Donc, c'est ça qui baille mon premier problème, deuxième problème. Maintenant, qu'on y a un trois, quatrième bagage qui vient. Et Gary Kony, dans ce sens-là, remarqué, comme monsieur a une intelligence, il y a un monde dans CPTA. Il dit, monsieur, en dans CPTA, il y a un problème. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas besoin de directeur général au Kounia. Parce que le problème qui vient, c'est qu'en fait, toi, négo, tu es un directeur général, va yo. Mais si vous n'avez pas de droit pour signer, vous n'avez pas de directeur général là encore, directeur général, vous pral pour reste qui était yo. Parce que vous n'avez pas de droit de signature. Et comme la rumeur fait croire que vous avez des contrats mafieux, mm-hmm, pour mettre des gens qui proches, des partisans, et des gens qui disent, en termes de rumeur, que vous avez qui baille cob. Donc, n'ego pas qu'à quitter bagaille, ça passe. C'est la lutte à l'intérieur du CPT. C'est une bataille titanesque pour qu'il y ait pouvoir et pour contrôler le pouvoir. Gary Kony, remarquez ça, il a adressé une correspondance à Gardien Leblanc. Deuxième correspondance. Il dit, moi, constater que nous attendons depuis longtemps pour direction générale. Nous, ouais, que nous ne sommes pas capables de voir la liste avant moi, parce que pas de conseil des ministres. Encore. Parce que pas de liste. L'imam dégadit le blanc, fait diligence. Mais en attendant, comme nous ne sommes pas décidé, dès hier, il y aurait trois directeurs généraux, lui-même l'a nommé rapidement, pour le cas travail. FAES, BMPAD et planification. J'avais dit, bon, ok, non, là, oui, là, oui, monsieur, mettez mon ça. Qui est capable de créer un problème? Faut dire. Faut mettre harmonisation dans l'exécutif là. N'exécutez au courant, que monsieur au courant, faut garder, répondre. Si Gadi pas répondu, il a fait de manière unilatérale. Voilà. Ça peut créer un problème en termes de respect de, de prérogatives, entre guillemets, que négociateur gagne. Mais le gouvernement a besoin de mettre, selon ça, une série d'activités sociales. Il faut faire avec FAES. Le monde qui l'a démissionné, il n'a pas qu'à faire avec. Donc, il faut avancer. Ça fait deuxième problème. Donc, CPTA en crise. Il a joué sous temps. Et personne ne pas connaît ça qui va le passer. Mais crise après le grave, les mandats Gadi vont le faire. Après Gadi, il y a une solution miracle là. Même. Sans parler de solution miracle. Il n'y a pas de rien, non seulement par rapport avec correspondance, il n'y a rien. Et puis, nèg sa yo qui en dans CPA ka bay pression. Et pas pression bay quelque part. Nèg pa vle mette costume corruption. Yo pa vle mette l. Mais faut que nèg yo konnen tout yo en position de faiblesse là par rapport avec dossier ça. Justement en position de faiblesse, mais c'est parce que yo pa homme d'état qui fait ça arriver. C'est parce que
Yo misérable. Qui fait ça? On n'a pas peur. On n'a pas dit ça, président BNC a dit, ah, c'est vrai, non? Mais c'est parce que Negio a offert une image de corrompu. C'est parce que Negio a pas abusé de pouvoir que vous gagnez. C'est parce que Negio pauvre qui fait abchachi. Mm-hmm. 700 000 dollars US dans mes nègres là. Comment ça veut dire? Qu'on peut demander à Exalva. A dit Bouchak. Ça veut dire, c'est parce que Negio voulait assurer un lendemain et au deal plusieurs fois que si on est con, ça quand on va prendre l'élection, il y a pauvre. Il a dit à plusieurs moun, faut y'a gen kob. Mais, remarquez, je dis pour la énième fois, Moïse Jean-Charles prend défense vers il est. Mais Claude pas défendre publiquement. Smith. Et. Il est aussi valable pour avoir 21 décembre. Non, il n'est pas même aussi valable. 21 décembre lui-même. Si tu as une possibilité, tu as voyagé aller longtemps. Oui, il y a une enquête, lui-même. Oui, lui-même, il y a une enquête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Gilles. Et parce que vous remarquez Gilles, il n'y a pas de tout. Parce que, quand il faut analyser, Vertilaire a fonctionné pour Moïse. Smith a fonctionné pour Claude. Mais, entre guillemets, parce que, où est Claude? Claude, on dit Jean-Mi Figmirezin, mais il dit la Kembe Negli, etc. Mais Claude dans la politique, tout, etc. Mais mon Ronan Daïd et tout, il y a un petit problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une division, il y a un monde qui veut pour hospitaler. Mais Claude, comme chef suprême, attention, chef suprême, il y a un démocratique dans l'idée. Non, il y a un démocratique. Chef suprême, monsieur dit, donc, dans Kembe Spit, pas un problème. L'autre négio qui sorti dans Ariel, que ce soit Pascal ou André Michel. Nego même, si tu as un moyen, mécanisme clair, ou même dit clair, parce que vous comment malade, vous avez voyé Gilles aller parce que Gilles, vous estimé. Et vous avez dit contre Gilles. Non seulement vous avez dit contre Gilles, et Gilles a bien mené, vous même vous pas bien mené. C'est dans la bataille que Jean-Chemin Rivet, chef cabinet, et c'est dans, et pas presque Goumet, son lutte. Sans merci que Pascal menait pour le cas au moins travail comme consultant. Et puis c'est Negro by Gilles. Parce que Gilles n'a pas de 22 des hommes. Gilles sont sympathisants de Ariel. On écrit Ariel qui a cherché job. Ouais. Qui est un chef parti politique. Ils font consensus. André Michel dit c'est presque lui-même. Parce que c'est Garnier qui a été choisi. Donc, ça qui a privé à montrer CPTA, pas correct. CPTA, gain problème. On a rappelé que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais dit que les trois membres sont impliqués directement ou bien au fond. Non, on est en train de faire une analyse. Donc, maintenant, dans cette situation de conflit total au niveau du CPT, la République paye à bloquer. On dit ça, paye à bloquer. Paye à bloquer et par faute de contradiction, et faute de problèmes internes et faute d'absence d'homme d'État au niveau du CPT. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, Dans le cas de ça, Gary Conny lui-même a fait des mouvements sans poser des actions concrètes. Attention. A fait des mouvements sans poser des actions concrètes. Parce que action concrète que le pays a obtenu de Conny, c'est mettre tourelle sous le chariot, mettre policier dans le chariot, mettez armes, vina hélicoptère. Commencez à récupérer des zones. Commencez à récupérer des zones de nos droits. Tout en connu, pas fait ça, tout mouvement l'a fait, on est qualificatif pour mouvement ça. Et faut qu'on y compte ça. Par exemple, mouvement le fait hier, il descend, monsieur a mettez un bureau, et nouvelle la mabaye là, non, et force armée. Côté la quartier général. Faut-il parler sous ça dans l'heure. Finis avec ça. Quartier général. Finis avec l'analyse fait là, faut parler sous ça dans l'heure. Comment on va parler sous ça? Scoop. Gros message là-dedans. Yeah. Monsieur, c'est chef suprême de l'armée. Mais pas oublier, non, monsieur fait office de ministre de l'Intérieur.
Et puis, monsieur a un bureau, ou un ex-bureau, en dedans. Quartier général. Quartier général. Vous avez dit, si on est capable de venir jeter. Parce qu'il y a une nouvelle. Il y a un ancien cadre du gouvernement passé. Un homme juridiquement bien formé et qui toujours en référence en matière constitutionnelle, qui aurait été engagé par trois membres du CPT pour consulter monsieur, pour montrer clairement comment arriver à évincer Gary Conny, révoquer et remplacer par quelqu'un d'autre. Sois-y-me là. Scoop. Scoop. 107.7 FM stéréo. Pas la guette arrivée là. Scoop. Parce que nous avons une dynamique de prise de pouvoir après le coup d'État classique ontariel, Kounia, il semblerait que Gary Conny a la tête dure et refuse de remettre le pouvoir aux partis politiques, aux représentants des partis politiques au sein du CPT, qui ont besoin de pouvoir pour faire comme et préparer pour les élections. Parce qu'aucun parti n'est prêt pour les élections parce qu'ils sont pauvres. C'est au sein de l'administration publique, excepté, évidemment, Moïse Jean-Charles, de Petite Dessalines, qui a eu la part belle avec le ministère de l'Agriculture. Je salue encore une fois mon cher ami Moïse Jean-Charles, qui n'a pas de problème avec Scoop et Gary Pierre-Paul Charles, hein, qui n'a pas de problème. Parce que de toute façon, après avoir sucé la mamelle et grossir l'espace de Petite Dessalines, il reviendra à ses premiers amours pour arriver au pouvoir de toute façon. Parce que l'argent, pas de bail pouvoir. Il faut avoir des éléments importants de la presse. Il faut avoir également un certain discours. Et le populisme, pas jouer dans cette prise de pouvoir. Il faut avoir les raffinements d'un GPPC, la force d'un Darius et le courage, le déterminisme implacable d'un Davidson, par exemple, pour y arriver. Et cela, Moïse ne saurait arriver au pouvoir. Parce que de l'autre côté, il y a Jean-Bertrand Aristide, que je me propose aujourd'hui de dire un mot sur le prêtre, concernant le prêtre. Et c'est pour ça qu'impasse existe. Dans le processus de changement de constitution, gardez-moi bien. Gardez qui j'aime bien. La vie est capable belle. Si tout le monde te comprend, ça m'a dit. Et si tout le monde te connaît, il n'y a pas de doué par PA de coup d'État. Allons, bel pays, ça ne va rien. Si tu es candidat. Si dans. Dans ce changement de constitution, il n'y a pas mis une clause qui dit l'autre est président deux fois, ou pas cas, candidat. Encore? Jean-Bertrand Aristide sera candidat. Bon, bah, c'est pour ça faire constitution. Hein. Et si Jean-Bertrand Aristide candidat, match a fini. Et c'est moi qui le dis. Pas de combat avec Gonzalez dans la constitution. Hein. Qui dit ça? Mais il n'a pas oublié, il a changé la constitution. Non, d'accord. Il a changé la constitution 1 et puis loi électorale. Bon, maintenant, si on est en démocratie, vous savez que je ne suis pas Laval, là, c'est attention. Puis Gamoun Mindy est Laval, mais si on est dans une dynamique démocratique, si Gary Conny n'a pas de parti, Edgar Leblanc ne veut pas que OPL soit en parti Mdavedou et Kapet Moundeur, que quoi, article 291 ans, Makout Paladon, ou pas qu'a dit Aristide Paladon. Depuis Ophel, son lot pays. Allah, ça a ta belle. Pour Tissi Doué, c'est pas lui-même seulement qui a fait office d'homme populaire, il y a l'autre candidat qui est aussi populaire que lui. Alors, Titi, moi, t'as content, ouais, on est face à face avec Gary Pierre-Paul Charles. Bonsoir, les amis. Au candidat.
ou candidat? Non, bon, je sais pas, mais quand même. On va poser la question. Non, mais ça, dit le polysémique. Tu comprends? Gardez. Face à le cas, il dit deux candidats. Le cas, dit le journaliste face au candidat. Non, mais comme moi, tout là, il dit le journaliste face au candidat. Moi-même, pas laisser. C'est du sérieux. Et c'est ça que fait. Nous, nous choisissons un comité pour réfléchir sur la Constitution. C'est des gens qui sont apolitiques. Pour réfléchir de manière démocratique. Sans yo pas écarter personne. Je ne dis pas mettre clause. Mais Jean-Bertrand Aristide, M. Gontel, énergie. Attention. M. Gontel, énergie. À dire. Mais il est toujours populaire, et Jean-Bertrand Aristide. Il est toujours populaire. Je ne sais pas dire. Jusqu'à présent. Bien entendu, tu sais pourquoi j'apprécie Titide. Pas parce qu'il avait bien dirigé le pays, mais parce que je lui avais demandé de prendre les rues, de sortir. Pour soutenir Maryse Narcisse, il m'avait écouté. Et quand un homme comme Titide, qui est une référence en matière politique dans ce pays, s'était vu obligé pour écouter un simple journaliste, je lui dois du respect, et c'est pour ça que j'ai dit à Titide. Ah, je vous attends, Titide. Je t'attends, mon cher ami.